Bonjour Mbote bisika nyonso bozali kolanda biso na République démocratique du Congo na mikili ya Afrika pe ya molongo ekomi tango tolandaka basango na biso le journal c'est avec Sandrine Chinakawa. Si l'état de siège donne des avancées significatives selon le chef de l'État, la réalité pratique sur terrain serait le contraire, affirme le vice-président de la société civile du Nord Kivu. Ces défenseurs des droits humains constatent même que les rayons de l'insécurité s'est grandement étendu. Et le royaume de Belgique devrait restituer des biens culturels congolais. Ces contentieux traînent depuis plusieurs années et le chef de l'État congolais use de la diplomatie pour aboutir à un résultat réaliste dans cette affaire. Le journal fait avec Sandrine Chinakawa. Léo Njoléo, bienvenue dans cette édition d'information. Le Royaume de Belgique devrait restituer les biens culturels congolais. Ce contentieux traîne depuis plusieurs années et le chef de l'État congolais use de la diplomatie pour aboutir à un résultat réaliste dans cette affaire. En marge de la 76e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec six premiers ministres belges, Alexandre De Croo, autour de ce sujet. Les deux hommes ont aussi évoqué la sécurité régionale et les échanges commerciaux entre les deux pays. Sosthène Kambindi serait-il journaliste ou terroriste? Le reporter collaborateur de RFI et de l'agence France Presse est maintenu en détention, accusé pour association des malfaiteurs et terroristes dans l'affaire du meurtre de deux experts des Nations Unies. Christian Guanzo. 2017, la nouvelle choque les Congo et la communauté internationale. L'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan sont sauvagement abattus pas loin de la ville de Kananga dans le Grand Kasaï. Journaliste d'investigation, collaborateur à Radio France Internationale et à l'agence France Presse, Sosthène Kambindi s'intéresse de près à cette affaire. Logique, il est reconnu comme un vrai homme de terrain, mais apparemment l'homme en sait trop. Trop plus pour être soupçonné d'être plutôt acteur et non investigateur. Ce journaliste est depuis arrêté et mis en accusation pour association des malfaiteurs et terroristes. Selon les sources judiciaires, le parquet veut tout simplement comprendre comment a-t-il fait pour entrer en possession de la vidéo de l'exécution macabre des deux experts des Nations Unies. À vrai dire, les journalistes seraient obligés de divulguer sa source, ce qu'ils risquent théoriquement de ne pas faire. Et les confrères porteraient la casquette des terroristes en intelligence avec des criminels armés qui ont exécuté froidement Michael Sharp et Zaida Catalan. Affaire à suivre donc. Double audience ce vendredi au cabinet du président de l'Assemblée nationale avec Roger Denzer, ambassadeur suisse en RDC. Christophe Mbosoko Diapoanga a parlé de l'organisation des élections 2023 dans le délai. Le diplomate suisse déclare primordial d'avoir des élections en fin d'année 2023. Roger Denzer. C'était faire une visite courte aussi au président de l'Assemblée nationale. Important pour la démocratie du pays. Dans ce sens-là, on a échangé très ouvertement. On a échangé, comme premier thème, on a échangé sur les élections, que c'est absolument primordial vraiment d'avoir les élections en fin 2023. Il y a toutes sortes des travaux préparatoires qui sont nécessaires de le faire. On a échangé aussi sur les différentes conditions qui sont nécessaires pour vraiment bien préparer les élections, ça doit être transparente, avec qualité, c'est à voir avec la CENI, avec les différents candidats, les différents membres de la CENI. Alors tout, à la fin, avoir une implémentation selon la constitution de la démocratie qui existe en RDC. L'autre chose, on a aussi discuté sur dans l'état des sièges, dans les deux, en Est. Là-bas, on a échangé sur la problématique, mais de notre part, on a dit aussi que la Suisse va regarder aussi par rapport à la situation des droits de l'homme, un défi qui est toujours dans l'état de siège. Et on a dit aussi que notre soutien pour la RDC, c'est aussi en plus de notre coopération internationale dans les deux Kivu, c'est aussi la partie avec le programme DDRCS. C'est important
donner une perspective à la population, que pas seulement la réponse militaire, mais il y a vraiment une perspective au niveau du développement avec tous les intérêts de part de la RDC de vraiment faire quelque chose par rapport au développement dans l'Est. Des élections, il en était question également dans les échanges entre Mbosso Kodiambwanga et Fabio Bargashi, le fondateur et directeur du Centre européen d'appui électoral, propose son expertise à l'organisation du prochain cycle électoral. Fabio Bargashi. D'abord, on tient à remercier le président pour le temps qui nous a été accordé. C'était un échange cordial et intéressant en ce qui concerne les scénarios électoraux et les calendriers électoraux, en ce qui concerne aussi l'établissement du bureau de la CENI et la nomination de son président. Le Centre européen d'appui électoral sera à disposition et sera à disposition toujours des autorités congolaises, gouvernementales et électorales pour pouvoir apporter notre expérience comparative qui a été acquérie dans le passé dans au moins 54 pays de l'Afrique et Moyen-Orient, aussi à travers des accords qu'on a avec l'Union africaine. Et c'est comme ça que dans les dernières années, on a eu la possibilité de former les cadres de la CENI en ce qui concerne différents aspects d'un cycle électoral. Mais bien entendu, c'était des formations à distance vu la pandémie qui nous touchait tous. Et maintenant, on est à disposition pour venir amener cette expérience comparative de forme présentielle. En effet, on a une grande expérience en RDC parce que moi-même, avant, comme cadre de l'Union européenne et des Nations unies, j'ai eu la possibilité d'appuyer les pays comme coordinateur de la Joint Task Force entre Commission européenne et Nations unies, déjà à partir de 2004. Mais à partir de 2010, comme je l'ai mentionné, les cofondateurs avec moi du Centre européen d'appui électoral, c'était la Béa Apollinaire Malou-Malou, une fois qu'il avait cessé ses fonctions avec la CENI et avant qu'il soit réintériné. Et donc, dans ce contexte, on avait eu la possibilité de travailler étroitement avec la CENI de l'époque, donc avec tous les cadres de la CENI de l'époque, aussi dans le contexte de cette école de formation électorale de l'Afrique centrale. Léopold Ouattara est le candidat président de la CENI du FOPAC pour le Forum des pasteurs et patriotes congolais. Son candidat est l'alternative de l'échec de la composante confession religieuse. Il projette une marche d'indignation contre les autres confessions religieuses qui, pour leur comportement, risquent de retarder le processus électoral. Révérend pasteur Fabrice Kolomata lut ici la déclaration du FOPAC. Cette indescriptible cacophonie enregistrée au niveau de ces confessions est due essentiellement à trois impairs, notamment le départ était mal entamé avec les textes fondateurs de cette plateforme qui renfermait en eux-mêmes le germe de la destruction. Par exemple, les incohérences relevées à propos de la personne qui devait remettre le rapport à qui de droit. On n'avait prévu aucune alternative à cet effet. Il est tout à fait curieux de constater que des esprits cartésiens qui se targuent de détenir le monopole de la science et de l'excellence n'aient à aucun moment songé à envisager une alternative. Sans rien affirmer, nous avons tout simplement l'impression que quelque part, on avait mis en place un dispositif des verrouillages destinés à caporaliser les autres. Ensuite, la désignation des confessions religieuses ne s'est pas faite sur base d'une cartographie objective de toutes les confessions religieuses de notre pays. On a choisi seulement, je dis bien seulement, celles qui affichent une grande visibilité. L'absence de toute prise en considération de la dimension spirituelle, éthique et surtout l'amour de la patrie au profit des intérêts mesquins et partisans. Nous ne devons pas laisser un groupe d'individus prendre en otage les destins de tout un pays dans le dessein machiavélique d'entramer la dynamique des changements impulsés par le chef de l'État. Nous envisageons à cet effet
d'organiser une marche pacifique et patriotique dans le strict respect des textes légaux en vigueur et des mesures barrières. Cette marche vise à désavouer les comportements indignes des confessions religieuses qui ont déjà perturbé les calendriers des échéances électorales selon la loi et à soutenir l'organisation des élections générales dans les délais constitutionnels. La date vous sera communiquée ultérieurement. CRC, nous réitérons notre proposition de sortie de crise pour une alternative électorale à la présidence de la CENI à la personne du révérend Léopold Ouattara Tchamouéni. Les patriotes zélés, hommes intègres, ambassadeurs de la paix, pasteurs de la nation, pères de famille responsables, animés toujours d'un patriotisme aigu et éclairé par le Saint-Esprit. Passons à un autre registre. Marche Lamouka du 29 septembre prochain, la CNDH appelle l'hôtel de ville de Kinshasa à ne pas répéter des erreurs commises lors de la manifestation du 15 septembre dernier. Face à la presse, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a dénoncé notamment la répression des manifestants par la police au lieu de les encadrer, également la bousculade d'un des leaders de Lamouka, en l'occurrence Martin Fayoul. Autre chose, mise à la retraite des enseignants, la gestion de la carrière des enseignants, mais aussi la gestion du personnel du secteur de l'EPST. Ces questions étaient au centre des échanges entre le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, et le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Ce dernier a déclaré à la presse que l'EPST dispose de la main-d'œuvre la plus importante de la République, avec plus de 600 000 enseignants, sans compter les administratifs. Si l'état de siège donne des avancées significatives, selon le chef de l'État, la réalité pratique sur terrain serait le contraire, affirme le vice-président de la Société civile du Nord Kivu. Ce défenseur des droits humains à l'est de la République démocratique du Congo constate même que les rayons de l'insécurité s'est grandement étendu pendant cette période de l'état de siège. Bon, si nous ne prenons que la province du Nord Kivu, les massacres étaient concentrés dans trois collectivités du territoire de Beni, il avait commencé dans la collectivité, dans la chefferie de Watalinga. Il s'est amplifié dans le secteur de Beni Mbau et puis le secteur de Rwenzori. Aujourd'hui, pendant la période de l'état de siège, on sent que les rayons s'est étendu jusqu'à la chefferie de Bachou. Donc quitter le Nord Kivu pour entrer en Ituri était fluide, praticable, mais aujourd'hui cette route n'est plus facilement praticable, avec même des risques de perte de vie, parce que nous avons perdu des véhicules et même des humains sur ces tronçons pendant la période de l'état de siège. Et que donc, sur le plan théorique, si l'état de siège était en train d'avancer, était en train de bien évoluer selon les chefs de l'État, sur le plan pratique, sur terrain, nous qui vivons au quotidien les affres de cet état de siège, nous réalisons que les choses ne marchent pas. Dans le même angle d'idée, quand il parle de reddition de groupes armés, et nous reconnaissons que dans la province du Nord Kivu, il y a certains groupes armés qui se sont rendus, et surtout à Rutshuru, à Masisi et Walikale. Mais il faut noter que ces rendus ne sont toujours pas pris en charge, avec risque de retourner à Brousse, parce que les informations qui circulent par-ci par-là font état des réoccupations des entités qui étaient déjà abandonné par les miliciens et qu'aujourd'hui, dans les Walikale et dans les Masisi, ils sont en train d'être réoccupés par des groupes non autrement identifiés. Et nous craignons que ce ne soit des étrangers qui s'infiltrent dans notre pays et qui vont intégrer la vie sociale comme on dirait des Congolais, alors qu'ils ne sont pas des Congolais.
un renfort logistique pour les forces loyalistes du secteur opérationnel Sokola 1 basé à Beni. Il s'agit de 2 ambulances médicalisées et 2 pick-up remises par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Kongba, aux autorités des opérations Sokola 1. Un reportage de nos confrères de la région. 4 véhicules flambant neufs, dont 2 ambulances médicalisées et 2 pick-up, ont été remis aux autorités du secteur opérationnel Sokola 1, basé à Beni, par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu ce mardi 21 septembre 2021 dans le camp militaire de Mambangu, situé au sud-ouest de la ville de Beni. Les 2 ambulances renforceront les capacités d'intervention en faveur des militaires blessés de guerre notamment. Par contre, les 2 jeeps pick-up faciliteront la mobilité du commandant Sokola 1 pour la première et des membres du cabinet du gouverneur basé ici à Beni pour la seconde. Les généraux des brigades Mputela, Bertin et Yang Badani, respectivement commandant Sokola 1 et conseiller principal du gouverneur en charge de l'intérieur, remercient leur hiérarchie pour cette dotation. Je remercie d'abord le commandant suprême de la République ainsi que le chef général et le gouverneur qui m'ont doté les 2 ambulances et ma jeep de commandement pour être souple et mobile par les opérations. Au nom de mes collègues conseillers principaux, nous tenons à remercier son excellence monsieur le gouverneur qui ne ménage aucun effort dans la recherche de moyens à mettre à la disposition de ses collaborateurs afin que les conditions de travail soient réunies, si pas au maximum, mais dans la mesure du possible, et que la mission soit bien remplie. Signalons que cette remise des véhicules est intervenue peu après l'arrivée à Beni du gouverneur Constant Ndima. À son atterrissage à l'aéroport de Mavivi, l'autorité provinciale a promis des solutions idoines à la problématique de l'insécurité qui prévaut à Beni et particulièrement dans la zone de Isale. J'ai la situation, nous sommes en train d'analyser ce qui se passe pour donner suffisamment la solution à ces problèmes. Le ministre de l'ESU, Mohindo Nzangi, devrait-il revoir sa décision de suspendre les cours dans les facultés de médecine des universités jugées non viables après UFA à Kinshasa? C'est le tour des étudiants en médecine de Boma de protester contre cette décision. Saisi par le maire de la ville de Boma, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central rassure les étudiants de son implication personnelle. Honorable Jean-Claude Vuimba. Bonjour ma famille de Boma. Bana Boma, pas deux. On a reçu la délégation de Madame la maire, le service de sécurité, ainsi que le professeur et le comité des étudiants. On a une réunion avec le gouverneur à l'intérim, son excellence Monsieur Justin Luemba. D'ailleurs, avant cette réunion, j'avais déjà appelé le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son excellence Monsieur Mohindo Nzangi, qui m'attend à Kinshasa au sujet de l'université Kasavubu. En ce qui concerne la faculté de médecine, cette décision, certes, injuste, mais nous devons aussi nous améliorer. Et je suis heureux que, en ce jour, le gouverneur ad intérim est descendu à Boma avec le directeur provincial de la SNEL et, je crois, celui de la régie des eaux pour que l'eau et l'électricité soient rétablies au campus de l'UKV. Je vous demande, mes chers frères, mes chers enfants, petits-enfants, étudiants, de l'UKV, d'être tranquille, de vaguer à vos occupations. Laissez maintenant à nous autres la responsabilité pour que au moins nous exigeons un moratoire pour que la fin des cycles des étudiants et étudiantes qui sont en 4e et 5e puissent terminer le leur. En ce qui concerne autre chose, ne vous en faites pas. Nous sommes là, nous l'avons pris à bras le corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La solution sera trouvée, l'UKV va reprendre dans sa faculté de médecine.
L'État congolais est dépouillé de l'ensemble de toutes ses maisons disséminées à travers le pays. On estime à 90% le taux de spoliation de biens et patrimoine d'État. Pour le ministre d'État en charge de l'urbanisme, tôt ou tard, l'État va tout récupérer. Écoutez l'avertissement du ministre Pius Mwabilou à tous les spoliateurs. Bon, c'est une réalité. L'État est dépouillé de toutes ses maisons, villas, lieux publics disséminés à travers le pays. Il faut savoir aussi que depuis la fin de la colonisation à ce jour, nous sommes pratiquement passés de plus de 15 000 unités à moins de 1000 aujourd'hui. De Lubumbashi, Bukavu, en passant par Goma, Kananga, Matadi, Kinshasa, Mbandaka, c'est un désastre. Cet effritement est l'œuvre, comme vous le connaissez, de certains citoyens, et bien plus grave encore, de quelques autorités en complicité avec des agents de l'administration et le pouvoir judiciaire. Et devant la justice, l'État a perdu beaucoup de procès, souvent par défaut, par manque de titres de propriété. Cette faiblesse a été et est en train d'être corrigée. C'est ce que je peux vous dire à cet instant, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, et le gouvernement de la République, avec à sa tête le Premier ministre, qui ont lancé une vaste opération de titrisation pour couvrir les biens immobiliers du domaine privé de l'État, des certificats d'enregistrement, donc ce qui leur permet d'échapper à la spoliation. Voilà, mais l'ingéniosité, si j'ose dire, du gouvernement Samuel Kondé ne s'est pas arrêtée là. Alors, on peut déjà se faire un petit bilan, hein, un bilan à mi-parcours de ce travail. Cette opération, d'abord, bénéficie d'une présomption irréfutable qui nous permet d'être optimistes. Je vais vous donner un petit exemple. À la Gombe, par exemple, près de 90% des maisons qui jadis relevaient de la colonie belge appartiennent bel et bien à l'État. Je profite de l'occasion que vous me donnez ici pour lancer un avertissement clair à tous les spoliateurs. L'État va tout récupérer, tôt ou tard. Si je vous comprends très bien, c'est que vous avez une banque de données de tous ces locataires et que vous les suivez pas à pas. C'est justement pour ça que nous sommes en train de travailler sur fond des listes que nous avons. Il va de soi que les acquisitions irrégulières seront examinées au cas par cas. Et rappelez-vous, la récupération des biens immobiliers de l'État spoliés ou en voie de spoliation était une promesse de campagne du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous sommes déterminés à la mettre en application sur l'ensemble du territoire. Pas un seul coin de ce pays ne sera épargné tant que Pius Mwabilou sera ministre de l'urbanisme et habitat. Les menaces, que les gens cessent de m'appeler avec des numéros masqués, m'insulter, je ne vais pas reculer. Nakozonga Simate. Il avait 48 heures pour restituer le véhicule de l'État. Le délai d'expiration de la consommation à l'ancien vice-gouverneur de la ville de Kinshasa ce vendredi. Néran Bungu a été sonné de restituer la voiture Land Cruiser 4x4, faute de quoi tous les dispositifs devraient être pris pour récupérer le bien de l'État par les moyens musclés. Destitué de ses fonctions de vice-gouverneur de la capitale le 10 avril dernier pour incompétence, le Mfumuya Bangamoyo se devait d'éviter une humiliation de trop. Et pour finir, le Parlement d'enfants, section Boutembo-Loubero, plaide pour la rentrée aisée des enfants déplacés. C'est ainsi qu'il vient de lancer une campagne de collecte dons pour assurer les fournitures scolaires des enfants démunis. Dans une interview accordée à la Moto ce vendredi 25 septembre, le président du Parlement d'enfants déplore la situation dans laquelle vivent plus de 10 000 enfants déplacés. Je vous propose de suivre Kambale Rigen, président de cette structure, dans ses propos recueillis par notre reporter Mwanampenzi Manzekele depuis Boutembo. Par rapport aux enfants déplacés, nous sommes montrés de vouloir que ces enfants étudient dans de bonnes conditions que les autres, comme tous les enfants. Il est dit dans la loi numéro 09/001 du 10 janvier portant protection de l'enfant que tous les enfants ont droit à la même protection. Et donc, s'ils ont droit à la même protection, ils ont aussi le même droit. Et donc, tous les enfants, qu'on soit déplacés ou non, nous avons tous droit à la bonne éducation. Et ce que nous sommes en train de vouloir d'abord, c'est que ces enfants soient acceptés dans les écoles, dans différentes écoles de la ville.
Nous sommes en train de plaider auprès de la sous-division pour que la sous-division elle-même se prononce pour ses enfants, pour que ses écoles soient, ses enfants soient acceptés dans toutes les écoles possibles. À part ça, bien sûr, ils seront à l'école, mais les fournitures scolaires sont d'importance capitale pour un enfant qui est à l'école. Entre autres, les cahiers, les stylos, les cartables et toute autre chose. C'est pourquoi nous sommes en train de plaider auprès de toutes personnes afin que nous puissions ensemble voir comment mettre les fournitures scolaires ensemble au bénéfice de ces enfants. Le processus est d'abord l'identification. Les enfants seront d'abord identifiés. Et les enfants à l'âge scolaire, bien sûr, seront d'abord identifiés et certains sont déjà identifiés et seront dotés de macarons pour pouvoir les justifier qui sont identifiés et qui sont déplacés. Et après cette identification, on va maintenant passer à l'action. C'est par ici que nous mettons un terme à notre édition d'information. Nous avons eu à la réalisation Yvon Tibangou et Christian Guanzo à la coordination. Merci de nous avoir suivis.